Bonsoir et bienvenue à cette seconde soirée Hearthstone de la LCE, la Ligue Cyberespoir. Je me présente André Caillou 746. Ce soir, je serai en compagnie de Charles, docteur Barat. Comment vas-tu, mon cher? Ça va bien, André. Comment tu apprécies le casting de Hearthstone que nous avons vécu la saison passée? Pardon, tu coupes un peu, désolé, j'ai mal entendu. OK. Comment appréhendes-tu ta première expérience de casting? Simplement, c'est sûr, il y a un peu de stress considérant que ça va être ma première fois, mais j'espère que ça va bien aller, j'espère que l'auditoire va m'aimer. Avec plaisir, on va commencer en cette soirée. Premier match, Pops 2257, Fluor, un ancien directeur de jeu de Hearthstone. On sent que il y a eu un petit piment dans l'air de voir un ancien de la LCE jouer dans la ligue. On va commencer ce soir avec plusieurs decks. Du côté de Trifluor, on amène un Druid Quest, un Priest, encore une fois, Quest. Et pour finir, on ressort beaucoup de cartes Wild qui sont revenues. Et on s'en va avec un Warrior. Du côté de Pops, un Warlock Zoo. On va vraiment chercher beaucoup de cartes en plus d'un petit Zephyr qui va vraiment venir rajouter, on l'espère, tout le temps la touche magique qui va permettre de faire le play. Deuxième deck, on s'en va avec un Prius OTK. Deux Lightwarden, Nurtshire Cleric, Inner Fire pour vraiment essayer de faire un létal rapide. Et on y va avec le deck qu'on a vu la semaine passée. Le token Druid qu'on a bien vu la semaine passée. Par exemple, on disait que Trifluor, le fait que ce soit un ancien, ça rajoute un peu de piment. Considérant l'autre truc qui arrive en ce moment avec Hearthstone, le retour des wildcards qui sont enfin acceptés. Ça, c'est pas juste mettre un peu de piment. C'est mettre un sac au complet de piment péruvien. On est d'accord? Effectivement, on va vraiment changer le tout. Et la partie vient de commencer à l'instant. Du côté de Trifluor, on commence avec le deck Warrior, et du côté de Pops, on commence avec le deck démoniste. Ce qui est intéressant, c'est que Trifluor n'a pris aucune... j'ai vérifié, c'est Trifluor a pris des wildcards dans ses decks. Si je me rappelle bien, je vais le vérifier. Effectivement. Son Warrior. Effectivement. Pops, malheureusement, au début de... on a un reroll le Lou Alpha qui est malheureusement revenu. Et on se souhaite un joyeux Halloween à l'avance. Maintenant que l'événement Halloween Hearthstone. C'est le début de la 105, comme on le dit. Et on a commencé avec un petit diablotin des flammes, quand même assez risqué de commencer avec des cartes qui peuvent te faire des dégâts, mais en début de partie, ça a un peu moins d'importance qu'en fin de partie. Effectivement, Pops qui avait les cartes en main, un combo agréable. Trifluor qui lui commence avec un de l'armure, on veut pas prendre la chance de pouvoir laisser Pops y aller vraiment agressif. These stones shall break your bones. Et on y va avec un Vandal du 9-7 qui chaque fois que ce serviteur attaque, il va infliger 3 points de dégâts à lui-même. Va infliger du dégât à ça quand il attaque. Donc vraiment, le Vandal, juste pour faire une attaque rapide ou généralement faire un coup, sachant que attaquant trop souvent va nuire à Pops. Et on dirait que... Ah non, je pensais qu'il avait oublié d'appuyer. FF.
du côté de Tufuor, je me demande pourquoi. On va demander du côté des officiels pourquoi il y a eu FF. Ah, ils vont recommencer le match finalement à cause de problème.